qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? C'est pas que, on l'a dit, c'est pas que on va renégocier les engagements pris par les États. Ça va pas se faire pendant cette COP. C'est un des scandales. Ce qui est en jeu, c'est les rapports de force qui vont se créer et qui vont faire que, dans les quelques mois et les quelques années à venir, on va gagner un certain nombre de batailles décisives. T'as une chaîne qui part par là, là. T'as le lieu de recueillement qui est là, et là t'as quelqu'un qui fait la pancarte climatisée, et ça reprend par là. D'accord ? Et la chaîne qui est là, le bout de chaîne qui est là, sur disons 10-15 mètres quoi, il n'y a pas de panneau, pas d'endroit, pas de truc comme ça. Parce que c'est un lieu de recueillement, on est sort. Changeons le système, pas le climat. Ici, parce que votre appel, donc vous en tant qu'Alternatiba, m'a beaucoup touché. Le texte que vous avez fait sur ne pas répondre à la violence par la violence, mais amener un climat de paix, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Ça ne marchera pas si on n'est pas là. Ça ne marchera pas. D'urgence liée aux attentats, mais l'urgence est avant tout climatique, et du coup je pense que c'est bien qu'on se mobilise tous, et la chaîne humaine est un moyen de montrer qu'on est tous mobilisés pour le climat. C'est des enfants du monde entier qui ont écrit aux 196 chefs d'État pour la COP. Ça serait cool que... Bon, ça commence à... Oh. Pas plus heureux, pour l'instant ça va, mais les vagues, les vagues. People, you say power, people, power, people, power, climate, justice, climate, justice, people, power, people, power, people, power. Thank you, merci beaucoup.